Koé a le pouvoir de te faire voir la radio. C'est fort. Notre invité, les filles, Baptiste Giaviconi. Que des meufs, il n'y a que des meufs. C'est incroyable, on se croirait au salon du mariage de Rouen. Ouais. Où il y a toutes que des filles partout. Il y a un mec. Ouais. Il est là. Deux. Voyons, il y en a un, c'est un Jabi Konouné. Hein. On sent qu'il a essayé de travailler le style. Ouais. Et il y en a un autre dans le. Passe-moi le micro, on a un micro, tiens, prends, voilà. Je voudrais voir les deux gars quand même qui sont là. Ça va, Baptiste, t'es en forme? Ça va, super. Tout va bien, bienvenue chez nous. Attends, on va prendre le garçon. Quel est ton prénom? Nassim. Nassim, t'as accompagné ou. T'es fan de Baptiste? T'es venu pour pécho ou... T'es venu parce que là, si tu veux pécho de la meuf, Nassim, c'est le moment ou jamais. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Il est entouré de 50 meufs. Ah ouais, j'avais pas vu. C'est vrai maintenant que tu le dis. Et le garçon là qui s'est fait la coupe à la. À Baptiste, t'as vu? Bah moi, c'est Valérie. Oula! Salut Valérie. Voilà. Non, t'es sérieux? Tu t'appelles Valérie? V-A-L-E-R-Y, ouais, comme le président. Ah oui, c'est vrai, Valérie Giscard d'Estaing. Il est encore vivant Est-ce que vous utilisez... Oui, ouais. Est-ce que vous utilisez... Vous savez quoi, vous? Vous pourriez parler pendant 2 secondes, pourriez parler cheveux. Tu utilises quoi comme gel? L'Oréal Studio. Baptiste. La pub. J'en mets plus, moi, du gel. C'est comme dans Marie à tout prix ou quoi? Tu les laves plus depuis 2 mois. Comment ça tient? Je mets de la cire. C'est de la cire. Qu'est-ce que tu as déjà imaginé quand on aura pu? Bah écoute, que dans 1 ou 2 ans, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Mais je me dirais que voilà, ça fait, ouais, ça fait un style aussi. Quoi. Il sera beau chauve, ce con, en plus. Ouais, tu vois, un jour, il va nous le faire. Un jour, il va se raser. Il va faire une photo sur Twitter. Tu dis, oh, c'est trop beau. Non, sérieusement, j'ai prévu de me raser la tête très prochainement. Quoi? Oh là, on vient de perdre 3 filles, là. Mais c'est pas vrai. Bah sérieux? Si, bah si, il faut changer un petit peu. Mais bien sûr, et puis on le fait. Enfin, ensemble, ce voilà, jour-là. Et voilà. Ça ira plus vite avec toi. Ouais. Je vais te donner une liste de mecs. Si tu les trouves beaux, tu devras être comme nous et dire il est gay. Si tu le trouves beau. Si tu le trouves pas beau, tu diras il est sympa. C'est dur. D'accord. On y va. Faut que je réponde du tac au tac. Jamel Debbouze. Il est sympa. Will Smith. C'est vrai. Je vous ai compris. Il est gay. D'où ça sort ça? C'est pas. De Gaulle. Je vous ai compris. C'est Bradley drôle. Cooper. Ah, il est super gay. Ah ouais. George Clooney. Gay. Jude Law. Ah, gay, oui. Ah ouais, mais non, ils sont pas tous gays. Non, non, lui, il est sympa. M. Pokora. Il est gay. Ben, il est gay parce qu'il est beau gosse. Ça va. Pitbull. Il est super sympa. Oui, non, parce que Pitbull, il a la classe, mais il est pas beau, on peut se le dire. Hein, c'est pas. Ah, Ribéry. Il est très, très, très sympathique. Il est adorable. Il est adorable. Il est gentil. Il est brave. Christophe Maé. Oh, il est gay. Johnny Depp. Il est super gay. Dans le nom en plus. Christian Clavier. Dans le nom, c'est vrai. Il est très sympathique. José Garcia. Il est sympa. Johan Gourcuff. Il est gay. Sébastien Coé. Ah, il est super, super ultra gay. Oh, qu'est-ce que t'es gentil! Retrouvez toutes les vidéos sur le Facebook de Coé.